That's the rise. Cash. Be nice with price. Give me the money, man. Give me the money. Ah ouais. Bonjour, mon nom est Virginia Sancho, j'ai 26 ans, je viens de Montréal. Je suis la deuxième aînée d'une famille de 5 enfants. Je travaille en informatique, je suis backup superviseur dans un centre d'appel. J'habite dans l'appartement avec mon petit chien qui s'appelle Zoro. Je suis célibataire. Mes activités, ce que j'aime faire durant mes passe-temps, je suis très spontanée, j'aime ça appeler mes amis dernière minute. Ok, let's go, on s'en va, on va aller voir un spectacle à Magog, mettons, on s'en va au cinéma, au restaurant, on fait des soupers entre amis. J'adore voyager, j'aimerais ça connaître le plus de plages possible au monde. Enfin, j'aime pas voyager deux fois au même endroit, parce que j'aimerais ça connaître le plus de plages possible. Puis j'adore danser. Danser, c'est une de mes passions. Je danse de plein de sortes de danses. Beaucoup de latino, bachata, merengue, salsa, tango. J'ai appris le baladi. Donc, Julie, si tu veux, on peut danser sur ton stage. Une petite danse. Je peux te faire danser de la bachata, par exemple. Ce que je ferais avec l'argent, mettons si je gagnerais un moyen montant. Premièrement, ben, je paierais mes dettes, comme la plupart du monde. Deuxièmement, j'aimerais ça payer le voyage à mon amie avec qui je suis supposée d'aller en voyage. Elle s'appelle Marie-Hélène, qui vient, elle va venir, elle est une des personnes qui m'accompagne. Ça va faire 20 ans qu'on se connaît, puis pour fêter ça, on s'est dit qu'on partirait en voyage. Puis j'aimerais beaucoup ça lui payer son voyage. Puis à part ça, ben, j'aimerais ça mettre un cache dans sur ma maison vu que je commence ma vie professionnelle puis je suis célibataire, j'aimerais ça commencer avec une maison puis ça comme la plupart du monde j'imagine. Si je gagne si je vide le banquier le demi-million, j'irai faire plus de folie. Premièrement, je pense que je déciderais de louer une petite île dans le sud, puis j'inviterais toutes les amis et toutes les connaissances autour de moi, puis je les amènerais toutes sur l'île pour faire un méga party de l'enfer. J'amènerais mes amis se pouponner, je les amènerais magasiner à travers le monde, je les amènerais manicure, pédicure, jet privé, aller souper à Paris. Les folies incroyables, les plus incroyables. Là, je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner. Donc, premièrement, ma maman. Viens ici, maman. Ma maman, c'est elle, la mère des 5 enfants, la petite Lapine. Puis, j'amène ma maman parce que... C'est correct, maman. Parce que les meilleurs conseils viennent des mamans, évidemment. Merci, maman. Je veux dire quelque chose à la caméra? Allô? Ensuite de ça, maman, est-ce que tu peux prendre la caméra, Marie-Hélène? C'est ça que tu vas envoyer? Oui, je vais envoyer celui-là. OK, ça, c'est mon amie Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle, je l'ai choisie parce que c'est avec elle que les choses les plus incroyables m'arrivent tout le temps. C'est les affaires les plus inouïes. Inusitées, merci. On m'a pas écrit texte, moi! J'ai pas pensé à ça! OK, merci Marie-Hélène. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. Et puis, ma troisième personne que j'ai choisie, c'est mon frère, Lucho. Bonjour. Un très grand fan des Canadiens. Oui, certainement. Oui, il est en train de manquer sa game de hockey pour venir filmer le petit 5 minutes de vidéo. Je l'ai choisi parce que c'est le seul gars, le seul enfant gars de la famille, donc il faut le considérer un petit peu. C'est gentil. Ben, ça fait plaisir. Non, je prends beaucoup en considération son opinion, donc tu vas m'aider? Oui? OK. En échange, dit, hein? De quoi? La loge chez le Canadien? On va voir, ça dépend du baquet. C'est bon. Merci. Ouais. D'après Georges Charest, que j'ai rencontré ça fait pas très longtemps, il m'a dit que j'allais réussir ma vie. Moi, j'ai décidé que ça allait commencer à votre émission, au baquet. Merci. J'espère que vous allez me choisir. Ouais. Ouais, mais... Be nice.
give me the money, hey.